Les chiffres de l'emploi parus vendredi continuent de faire des dégâts ici aux États-Unis. Pour la troisième journée consécutive, le dollar enregistre un recul. Et pire, il ne bénéficie d'aucune statistique macroéconomique pour tenter de se relancer. Cela constitue du coup un réel coup d'arrêt pour l'économie américaine que l'on pensait réellement relancer. Du coup, les investisseurs qui, eux, misaient sur le billet vert, s'en détournent au profit de l'euro. La monnaie unique, c'est vrai, reste sous pression. Les cas chypriotes et italiens sont dans toutes les têtes. Le Portugal refait également parler de lui. Mais cela n'effraie pas les cambistes qui confirment les mouvements effectués vendredi et lundi avec ce mardi. Un euro qui regagne un peu de terrain. Il s'est changé dans l'après-midi contre 1 $, 30,74.